Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau live Music Classroom. Je suis très heureux de vous retrouver tous. Merci Christelle, Michel pour ce don. J'apprécie énormément. Donc j'espère que tu pourras. Je crois que tu es nouvelle ou pas. Tu vas me dire ça. En tout cas, tous mes remerciements pour cette pensée. All Jazz, bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Christelle. Michel, Christian, Fernand, oui, Christian, Colette. Bonsoir Colette. Je pense qu'il fait aussi chaud chez toi ce soir que chez nous ici. Bonsoir Yves, bienvenue. Bonsoir Hélène, bienvenue également. Merci pour tes très très gentils mots et tes très très beaux commentaires hein, sur la chaîne que je lis régulièrement. Bonsoir Jean-Yves, bonsoir Daniel également, Arnaud, hein, que je connais bien puisqu'on se voit sur Skype aussi. Bonsoir Nel Young, Vertalio, Thierry, José aussi. Bonsoir Zanaka, Diego qui est, je crois, Zanaka Diego qui est nouveau également ce soir. Bonsoir Thomas, bienvenue, fidèle au rendez-vous, je vois, ça c'est bien. Je suis assez heureux de vous retrouver tous les mardis. Je voulais juste dire un petit peu pour les lives qui vont donc suivre ensuite, puisque nous sommes ici fin juin. Bonsoir Alain. Donc au mois de juillet, je vais certainement poursuivre les lives, normalement. Peut-être que les sujets seront libres à ce moment-là, il y aura 3-4 lives. Et puis peut-être qu'on fera aussi une petite pause au mois d'août pour repartir hein, de plus belle en septembre. Hein. Voilà, je pense que vous m'entendez bien. Est-ce que le piano sonne ? Voilà, est-ce que vous m'entendez bien ? La voix, le piano, tout est en place ? J'attends un petit peu vos remarques. Bonsoir Evelyne, bonsoir Marc et à nouveau bonsoir Christian, hein, puisque tu es déjà passé, je crois. Donc voilà, est-ce que le piano sonne ou est-ce qu'il y a un problème de son ? Bonsoir Michael, bienvenue. Je crois que tu es nouveau aussi. Piano muet. Ah bon, piano muet, ça c'est très très... C'est très, très embêtant ça. Alors attends, on va essayer de remettre ça en place. Piano muet, effectivement, voilà, ça doit maintenant. C'est bien comme ça ? Pas de problème, hein, je pense que le piano va bien. Bonsoir Bob, bonsoir Lisa. Nouvelle aussi, certainement. Hélène, oui, le piano est revenu, donc tout va bien, voilà. Alors, je rappelle simplement pour tous les nouveaux hein, que je vois ce soir et qui nous rejoignent aujourd'hui, que tous les précédents lives, vous pouvez les retrouver évidemment sous l'onglet donc playlist hein, de la chaîne avec playlist Music Classroom Live bien entendu. Donc tous ces lives, vous pouvez les retrouver ainsi que donc toutes les tutos habituels hein, que je mets en ligne régulièrement. Dire également que voilà comment ça se passe. On va donc dans une première partie faire un petit cours ce soir. On va travailler un petit peu des exercices, bon, exercice un peu débutant parce que je sais que beaucoup d'entre vous débutent. Bonsoir Lydia, bienvenue. On va travailler ces exercices, on va voir quelles sont les méthodes hein, de travail et comment les mettre en place pour que ça soit justement très très efficace. Hein. J'ai déjà fait quelques tutos là-dessus, vous les retrouverez sur la chaîne. Notamment un tuto qui s'appelle comment bien travailler le piano efficacement donc en 30 minutes quotidiennes donc chaque jour. Bonsoir Donatos, bienvenue également, bonsoir Nil Young, bonsoir Christelle, non pas de son. Il n'y a plus de son là ? Si, je pense que ça marche. D'accord, alors je regarde pourquoi il n'y aurait pas de son, puisque le son est normalement revenu ici. Toujours pas de son ? Oui, ça marche, bon, merci Christian. Salut Abel, bienvenue également.
Donc je disais oui, vous pouvez retrouver tous les lives hein, pour ceux qui ont loupé la vingtaine de lives qu'on a fait donc précédemment sur l'onglet playlist. Voilà. Donc ça sonne bien, tout est parfait. Voilà. Alors ce soir, on va faire un petit cours sur les exercices de piano et puis dans la deuxième demi-heure, en gros, vous pourrez me poser toutes les questions sur ce sujet ou des questions comme vous en avez l'habitude, des questions plus générales, plus généralistes sur la musique. Aussi bien technique qu'esthétique, au niveau des styles, etc. Bonsoir Emmanuel, bienvenue. Voilà, donc eh bien, je vais commencer un petit cours en vous disant deux choses très importantes avant de commencer des exercices, hein, proprement dit. Ces exercices sont efficaces s'il y a trois applications. La première application, c'est qu'il faut les faire au métronome, c'est-à-dire absolument. Si vous n'avez pas de métronome intérieur, c'est-à-dire que vous ne sentez pas la pulsation, donc une pulsation régulière, je vous conseille donc de mettre un métronome externe et de les travailler au métronome. La deuxième chose, c'est qu'il faudra les travailler à plusieurs vitesses, c'est-à-dire quand lorsque vous avez donc un exercice qui va bien à une certaine vitesse assez lente, disons, il faut augmenter le métronome et les travailler de plus en plus vite. Ça, c'est la deuxième condition. Et la troisième condition, on va donner ici des exemples en do majeur, hein, d'accord, sur les touches blanches ici du piano, mais évidemment, il faudra les transposer sur les 12 demi-tons ici de la gamme chromatique, hein. Je rappelle la gamme chromatique, c'est ça entre do et do, on passe par toutes les notes, par des demi-tons comme ça, voilà. Donc chacune effectivement de ces notes possède en tout cas donc une tonalité. Il faudra donc transposer tous ces exercices sur les 12 demi-tons et pas seulement les faire en do. Alors quels sont les premiers exercices, même pour un débutant, donc ce sont les gammes et les arpèges. Alors les gammes et les arpèges, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que d'une part, ça va vous faire travailler la dextérité, c'est-à-dire la vitesse au niveau donc de vos doigts. Et deuxièmement, aussi, ça va vous faire travailler des techniques comme par exemple les passages de pouce, hein, les passages de pouce par-dessous ou les passages de troisième, quatrième doigt, etc. par-dessus. Donc ça, c'est très important. Bonsoir Fabien. Donc voilà les trois conditions, je les répète, c'est 1, travailler au métronome, 2, à plusieurs vitesses, en augmentant progressivement la vitesse, d'accord? Et la troisième étape, c'est évidemment de les transposer sur toutes les tonalités, ces exercices. Si vous ne réussissez pas à réunir en fait toutes ces trois conditions autour des exercices, ça sera beaucoup moins efficace. Bien sûr, je rajouterai une quatrième condition, mais celle-là, elle paraît évidente, c'est que ces exercices, lorsque vous travaillez le piano, ben, il faut que ça soit quotidien, c'est-à-dire chaque jour. Si vous laissez tomber un mois, 2 mois, vous allez voir qu'au niveau de la mécanique hein, des doigts, eh ben, on régresse un petit peu parce qu'on n'a plus l'entraînement. Hein. Ça, c'est complètement physique, exactement comme un sportif. Hein. S'il arrête l'entraînement, eh ben, il ne sera plus en condition physique. Donc ces exercices, ça doit être fait effectivement chaque jour pour pouvoir effectivement évoluer hein, et obtenir bien sûr cette technique pianistique. Voilà, donc on va commencer par les gammes, d'accord? Ben, les gammes, ça vous fait travailler, je l'ai dit, la technique, la dextérité. D'accord? Donc on va travailler à la noire, comme ça. Et on redescend. D'accord? Ça, c'est la première gamme en do majeur, comme ça. Lorsque vous allez monter, et c'est le faire sur plusieurs octaves aussi, c'est-à-dire pas qu'une octave ici, mais on va monter jusqu'ici. Et là, effectivement, 1, 2, 3, pouce, 2, 3, 4, pouce, 2, 3, pouce, 2, 3, 4 et 5. Je reste en 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2 et 1. D'accord? Donc le principe, c'est que à une octave, je vais le faire à la noire, c'est-à-dire comme ça, par exemple, lentement. Voilà. Aller-retour. Très régulier. Même poids sur chaque note. À 2 octaves maintenant, je vais le faire, je vais doubler la vitesse, c'est-à-dire comme si c'était des croches, par exemple, et on va avoir. Voilà. Ah,
D'accord, et bien je vais monter maintenant à 3 octaves, je vais prendre plus bas ici, on va aller jusqu'ici, vous voyez. Et cette fois-ci, on va mettre une autre vitesse, ça sera le triolet, triolet, simplement 3 notes par pulsation ici du métronome, c'est-à-dire... Donc, je l'ai fait à 3 octaves. Cette fois-ci, vous voyez, au triolet. Bonsoir, Emmanuel. Eh bien, maintenant, à 4 octaves, eh ben, jusqu'ici. D'accord, on va monter ça sur 4 octaves, sur Do majeur. Et cette fois-ci, on va le faire à la double croche. Double croche, il va falloir 4 doubles croches par pulsation du métronome. Donc, ça va aller évidemment un peu plus vite. Ça fait ça. Voilà, le doigté, j'ai un peu improvisé ici. Donc voilà, vous voyez, les gammes, déjà, je les ai travaillées sur 1, 2, 3, 4 octaves. 4 octaves, donc ça chauffe déjà hein, au niveau des doigts. Ça me permet aussi de travailler mes passages hein, de doigts. Vous l'avez vu ici, le pouce par-dessous, hein, ici. Voilà, pouce par-dessous. Alors ce pouce par-dessous, encore une fois, hein, pas de mouvement de bras comme ça, hein, quand on passe un doigt, le pouce ou le troisième par-dessus, etc. Toujours votre main doit rester parallèle ici, mais elle doit coulisser évidemment pour avancer au fur et à mesure. Donc vous voyez, ma main reste... Voilà. Même quand je passe ici le troisième par-dessus, c'est la main qui coulisse, c'est le troisième qui va chercher la note, c'est pas de mouvement de bras, d'accord? Pourquoi? Parce que simplement, quand vous allez aller dans la vitesse, si vous faites tous ces mouvements, ça sera impossible. Et puis, il y aura des saccades ou des coupures ou des interruptions à chaque fois que vous changez de... vous passez un pouce, un doigt, ou alors que vous changez d'octave, simplement. Hein. Donc, toujours, effectivement, bonsoir, Jikas. Voilà, ma main reste toujours parallèle ou perpendiculaire, comme vous voulez, au clavier, d'accord? Et en même temps, elle progresse de cette façon. Eh bien, la deuxième chose, ce sont les arpèges. Très important, les arpèges, ce sont des notes disjointes, simplement, qui ne se suivent pas, contrairement aux gammes. Eh bien, sur Do, on va faire Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do. Donc, 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1, d'accord? Simplement, aller-retour. Eh bien, cet arpège, on va la même chose, on va la faire à la noire, lentement, une octave, jusqu'au Do. D'accord? Puis on va passer à 2 octaves et on va doubler la vitesse, puisqu'on va faire des croches maintenant. 2 croches par pulsation. Voilà. Ensuite, eh bien, on va passer à 3 octaves. Je vais partir de plus bas ici et on va faire des triolets, par exemple. D'accord, donc triolet à 3 octaves. Et puis ensuite, on passe à 4 octaves, donc avec les doubles croches. D'accord, descente. Voilà, d'accord. Donc voilà, c'est un premier travail. C'est déjà pas mal parce que on aura évidemment à les travailler à la main gauche. Alors sur la main gauche, j'ai fait une vidéo hein, là-dessus, un tuto sur le travail de la main gauche. C'est très important. Pourquoi? Parce que naturellement, la main gauche est plus faible. Hein, elle est beaucoup plus faible que la main droite en général. Et puis comme c'est une main qui est destinée souvent à accompagner, hein, quel que soit le style, hein, les chansons, jazz, etc., eh bien on la délaisse un petit peu cette main gauche. Bon, mais cette main gauche, elle doit être aussi importante, elle doit être aussi véloce que la main droite. Et c'est pour cette raison que tout ce que vous faites à la main droite, vous devez le faire à la main gauche aussi. Parce que vous soyez droitier ou gaucher, en général, je dis bien en général, la main gauche est plus faible que la main droite. Donc il faut la mettre au niveau de la main droite. Pour la mettre au niveau de la main gauche, si vous sentez qu'elle est plus faible, ne serait-ce qu'au niveau de la main ou des doigts même, à ce moment-là, il faut la travailler à part. Vous travaillez, par exemple, sur les arpèges ou sur les gammes. D'accord ? Voilà. Donc, vous la travaillez à part jusqu'au moment où vous sentez qu'elle est aussi solide que la main droite. Parce que lorsqu'on aura à jouer ou faire des traits simultanément de main, par exemple... Il
faudra qu'elle soit au même niveau de dextérité, de vélocité, hein, même niveau technique. Donc voilà. Donc tout ce que vous allez faire au niveau exercice à la main droite, vous allez devoir le faire aussi à la main gauche. Alors tout à l'heure, je vous disais effectivement que ces gammes et arpèges, eh ben, il ne faut pas les faire qu'en do, bien sûr. Mais on va les faire sur toutes les, ici, toutes les notes de la gamme chromatique. Voilà, il y en a 12 jusqu'au si, et le 13e, c'est le retour du do, bien sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, d'accord ? 12 tonalités. Donc ce que j'ai fait à la gamme ici, en do majeur, vous êtes sur do, vous allez monter d'un demi-ton ici, sur do dièse ou ré bémol, hein, puisque ce sont deux notes qu'on dit en harmonique. Même sonorité, do dièse, ré bémol, mais deux noms différents, d'accord ? Donc par contre, il faut faire attention à ce que les doigtés ne soient pas les mêmes, parce que ici, on avait commencé par un pouce sur do, mais évidemment, sur ré bémol, ben, on va commencer plutôt sur un deuxième pour faire 2, 3, 4, 2, 3, 4, pouce, 2, 3, pouce, 2, 3, 4 et 5. Pardon, ici, 2. Ensuite, 2 ici, pouce, 4, 3, 2, 1, 3, 2, pouce, 4, 3, 2, 1, 3 et 2. Voilà, j'ai fait une petite erreur en montant. Même chose pour la main gauche, on ne va pas commencer hein, le cinquième doigt sur un ré bémol ici, mais plutôt un quatrième ou un troisième plutôt, ça serait plus judicieux. On va faire 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 et 2. D'accord ? Et on revient 2 pouces, 2, 3, 4 pouces, 2, 3 pouces, 2, 3, 4 pouces, 2, 3. Voilà, et ensuite les mains ensemble, bien sûr. Voilà, même chose que tout à l'heure hein, en do majeur. Vous êtes sur ré bémol ici, mais vous allez travailler sur 1, 2, 3, 4 octaves, à chaque fois en faisant noir, croche, donc triolet, et ensuite on va travailler les doubles croches à 4 octaves. Alors bien sûr, la vitesse de ces exercices va dépendre évidemment du tempo, du métronome que vous allez mettre. Si le métronome est lent au départ, vous pouvez le faire à la noire, comme ça, très lent. Et d'ailleurs, c'est pas mauvais de travailler lent, parce qu'il y a deux choses à laquelle vous devez faire attention quand vous travaillez un exercice. C'est la régularité, mais ça on en a parlé, c'est par rapport à un tempo, d'accord ? Mais c'est également le poids que vous mettez sur chaque note. Il faut absolument que le poids, l'intensité sur chaque note soit la même, régulière donc. Voilà. Donc en travaillant lentement, on peut faire attention à ces choses-là au piano. Voilà, et si je vais un peu plus vite, j'essaie de garder le même poids. Voilà, sur chaque note. Alors pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas le même poids, s'il y a des notes qui sonnent plus fortes que d'autres, eh bien on va entendre comme une irrégularité, rythmique. Et ça, non, il faut vraiment le même poids. Quelle que soit la vitesse, régularité rythmique et la régularité du poids. Bonsoir MSM, MSM, bon. Bienvenue. Voilà, donc ceci dit, on va récapituler les gammes et les arpèges, donc toujours sur 1, 2, 3 et 4 octaves, à chaque fois en accélérant un petit peu, c'est-à-dire à la noire, à la croche, au triolet de croche, et ensuite à la double croche pour avoir 4 doubles par temps. Ensuite, on les fait aux deux mains, bien sûr, vous travaillez aussi la main gauche, parce qu'il ne doit pas y avoir de faiblesse au niveau de la main gauche par rapport à la main droite. Et la troisième chose, la régularité rythmique et la régularité de poids, mais également, donc on l'a vu tout à l'heure, donc travailler avec un métronome toujours pour la régularité et surtout progresser dans le tempo, c'est-à-dire votre métronome qui donne les temps, qui est censé donner les temps, vous allez donc le monter petit à petit comme ça, mais toujours progressivement, il ne faut pas passer de 40 à 160, hein, il faut le faire donc par exemple à 40, à 60, 80, 100, par exemple, vous pouvez monter de 20 à chaque fois votre métronome. Hein. Voilà, donc ça c'est les gammes et les arpèges, d'accord ? Mais à partir de ces gammes et arpèges, évidemment, il y a toute une série de déclinaisons, c'est-à-dire de variations de ces gammes et arpèges. Ici, quand on monte une gamme, vous voyez, donc les notes se suivent, donc il n'y a aucun problème. Eh bien, on peut le décliner différemment, ça. Par exemple, au lieu de faire Do, Ré, Mi, on peut faire Do, Mi,
Et ensuite Ré, Fa, là je monte en escalier, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Si, La, Do, Si, Ré et Do. Voilà. Ce qui donne Do, Mi. D'accord. Bon, au niveau du doigté, hein, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, par exemple, d'accord. Et on peut redescendre aussi, regardez, Do, La, Si, Sol, c'est l'inverse, Sol, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Ré, Si, Do, donc Do, Mi, d'accord, et ensuite... Donc voilà une première déclinaison intéressante parce que là les notes ne se suivent plus. On va monter d'une tierce ici, descendre d'une seconde, remonter d'une tierce, etc. Comme ça. Voilà. Alors ça, même chose, vous pouvez le travailler comme pour les exercices que je vous ai montrés tout à l'heure. Bonsoir François, première approche, nouveau aussi François je pense. Donc ici, vous l'avez vu, on les travaillera aussi à 2, 3, 4 octaves avec à chaque fois des différences de rythme. On va les travailler également aux deux mains, comme ça, main gauche. D'accord, et puis mi. Voilà, d'accord, voilà. Donc même chose que pour tout à l'heure, on va travailler ça sur plusieurs octaves, à la main gauche, et puis ensuite vous allez transposer. Alors si je transpose en montant ici d'un demi-ton, par exemple sur le Ré bémol, ici, on va trouver cette montée sur Ré bémol majeur. Et on descend. Voilà, et ça je le fais aussi à la main gauche. Voilà, d'accord. Ensuite, les mains ensemble, bien sûr. Voilà, etc. Ensuite, après Ré bémol, bien sûr, vous allez monter sur Ré, Ré majeur avec deux dièses, Fa dièse. Et Do dièse ici, donc ce qui fait... Voilà, de cette façon, vous allez passer par toutes les tonalités. Parce que je pars d'un principe que, par rapport avec mes élèves, par exemple, lorsqu'on travaille l'improvisation jazz, on travaille les gammes et les modes donc d'improvisation à la main droite, même à deux mains, mais dans toutes les tonalités. Le principe, c'est que, évidemment, lorsque vous travaillez donc un trait, un exercice ou un morceau, peu importe, essayez de le faire dans tous les tons et là ça va être très très efficace parce que vous n'aurez plus de problème quelle que soit la tonalité. Encore une fois, il est facile de jouer en Do majeur parce qu'on sait que toutes les touches sont blanches ici, mais lorsqu'on va jouer en Fa dièse, on va se retrouver avec Si dièse, hein, Fa dièse majeur, Si dièse à la clé, et là évidemment... Voilà, donc ça va vous rompre, ça va vous entraîner évidemment à être à l'aise, quelle que soit la tonalité. Et vous le savez, puisque tous les morceaux sont écrits dans des tonalités aussi diverses que ces 12 demi-tons, hein. Que ce soit des morceaux classiques ou pas, vous allez trouver évidemment des sonates en mi bémol majeur, en fa dièse mineur, etc., etc. Alors, vous l'avez remarqué, ici j'ai joué sur les modes majeurs. Hein. Oui, alors les pouces, oui, je vais vous donner un petit exercice, Hélène, pour travailler les pouces aussi, hein, les passages de doigts en général, hein, pas que les pouces d'ailleurs. Salut Laurent, bienvenue. Bienvenue. Voilà, alors oui, pour le travail évidemment des pouces. Alors, je peux continuer hein, ces déclinaisons des gammes, hein, c'est-à-dire ces variations de gammes. Par exemple, j'ai fait une tierce ici, Do, Mi et Ré, Fa, ce sont des tierces. Mais on peut faire des quartes par exemple, quatre notes, Do, Fa, Do, Ré, Mi, Fa, Do, Fa, Ré, Sol. Là, je monte en quarte. Et descente. Vous voyez, même chose à deux mains, sur plusieurs octaves, à plusieurs vitesses, etc. Maintenant, vous savez, effectivement, toutes ces déclinaisons, tous ces exercices doivent être travaillés, quel que soit le type d'exercice, dans toutes les tonalités, hein, et puis sur plusieurs octaves, à plusieurs vitesses, voilà.
Alors voilà, main gauche pareil, regarde, ici on peut avoir... Là, on est à la carte. Là, je monte d'une carte, Do à Fa, par exemple. Bonsoir, Wari. Alors, je vais répondre à tes questions tout à l'heure, Wari. Je vais finir un petit peu la suite du cours. Et puis, tu me la reposeras tout à l'heure, il n'y a pas de problème, je répondrai. Alors ici, donc, évidemment, pour les arpèges, même chose. On peut les décliner différemment. Par exemple, je faisais tout à l'heure Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do, que vous connaissez tous. Mais on pourrait alterner, au lieu de faire Do, Mi, Sol, on pourrait faire Do, Sol, Mi, par exemple. Do, Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do. Voilà, comme ça. En alternant Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do. Voilà. Et descendre pareil, au lieu de faire Do, Sol, Mi, Do, je fais Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do. Voilà. Et à deux mains, etc. Alors vous voyez finalement, juste avec les gammes et les arpèges, vous allez avoir énormément de travail déjà, si vous le faites à plusieurs vitesses, dans toutes les tonalités, sur plusieurs octaves. Et à deux mains, bien sûr, en respectant la régularité rythmique. Je sais que c'est difficile de jouer vraiment régulier, mais voilà, les métronomes sont faits pour ça. Alors juste une petite parenthèse sur le métronome, c'est pas ce que je conseille en musique le métronome, c'est juste pour des exercices, uniquement pour des exercices, parce que la musique évidemment n'est pas métronomique, enfin tout dépend du type de musique. Comme je vous disais l'autre jour, évidemment l'électro, tout ça c'est des musiques qui tournent sur des séquenceurs, donc c'est évidemment complètement régulier. Mais la musique respire, que ce soit du jazz, de la musique de film, de la chanson ou peu importe, même dans la musique classique bien entendu, la musique respire, c'est-à-dire que évidemment elle ne suit pas toujours un métronome. Bon, on a des ralentis, des accélérés, etc. qui font que le mouvement, c'est-à-dire le tempo, peut varier évidemment suivant l'expression, suivant l'expression qu'on donne, suivant l'interprétation de chacun. Voilà, donc je vais poursuivre maintenant. Il y a un deuxième exercice qui est important et qui est lié d'ailleurs aux gammes, c'est l'exercice des passages des doigts. Alors les exercices des passages des doigts, vous avez remarqué quand je monte Do majeur, ici je passe le pouce par-dessous ici, d'accord ? Voilà, on ne voit pas bien sur la... Voilà. Alors on a dit qu'effectivement il ne fallait pas tourner la main ou le bras comme ça, évidemment, chaque passage. On coulisse par-dessous, c'est le pouce qui va chercher. Et pareil quand on descend, Do, Si, La, Sol, Fa, c'est-à-dire 5, 4, 3, 2, 1. Et quand je passe le 3 par-dessus, ici, vous voyez, la même chose, on ne tourne pas la main, ni le coude, ni l'épaule. Voilà, on fait coulisser le 3 par-dessus, qui va chercher le Mi ici, le Ré et le Do, d'accord ? Alors pour travailler cet exercice, je vous conseille de faire... Puisqu'il y a le pouce qui passe sur le Fa ici, on peut faire Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol. Uniquement sur Mi, Fa, Sol, d'accord. Si elle va faire 3 pouces, 2 pouces, 3 pouces, 2 pouces, 3, comme ça. Voilà, on accélère un petit peu. Ça fait passer les deux là, ça fait passer le pouce. Voilà, Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi. Voilà, comme ça. Et en même temps, vous essayez de garder donc la main très perpendiculaire au piano, ou parallèle au piano, ça dépend comment on se place. Voilà. Et là, vous allez travailler juste le passage des doigts, le pouce en montant, le troisième doigt par-dessus en descendant. Bonsoir, Zanaka. Obligé de parler. Eh bien, dommage, mais je te donne rendez-vous peut-être à mardi prochain sur le prochain live. Voilà, donc ici vous avez un premier travail de passage des pouces. Les exercices ne se font pas seulement sur de la technique, disons, liée. Il y a aussi des exercices détachés, c'est-à-dire des exercices de phrasé, votre façon de toucher le piano. Alors par exemple, on peut faire tous ces exercices que je viens de vous montrer, mais par exemple en piqué. D'accord ? Voilà, d'accord ? Donc piqué, lié. Il y a aussi le louré. Le louré, c'est quand on appuie comme ça. C'est un peu détaché, mais sans être piqué. Voilà.
Bon, ça va vous faire travailler évidemment donc aussi votre toucher, le toucher donc pianistique. C'est aussi un exercice qui est complètement lié à la musique et à tout ce que vous devez faire. Il y a une autre application aussi, ce sont les nuances. Vous pouvez le faire par exemple forte, piano, c'est-à-dire assez doux. Toujours essayer d'être très régulier au niveau du poids, hein, d'accord? Ou alors faire quelque chose de progressif, ça c'est intéressant parce que, par exemple, sur la gamme de Do majeur, eh ben, je peux partir piano ici et progressivement, en montant sur le Do ici, arriver forte, mais progressivement, c'est-à-dire comme ça. Voilà, et en descendant, je vais faire l'inverse, je vais partir de forte ici pour arriver ici. Piano, c'est-à-dire doux, comme ça. Voilà, d'accord, progressivement. Là, c'est ce qu'on appelle les crescendo, hein, vous savez, ce petit soufflet, hein, crescendo et décrescendo, donc, qui vous permettent progressivement de passer d'une nuance piano, c'est-à-dire douce, à une nuance plus forte. Et ça, c'est un excellent exercice aussi pianistique, puisqu'il va vous apprendre effectivement à nuancer votre toucher, hein, petit à petit. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire évidemment sur toutes les déclinaisons de gamme qu'on a vues tout à l'heure. Hein. Alors Giovanni, je répondrai à ta question tout à l'heure, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de méthodes, hein, Giovanni, il y a énormément de méthodes de piano, je ne vais pas toutes les... Voilà, même le Hanon, hein, qui est très décrié, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah non, Hanon, c'est nul », etc. Non, Hanon, c'est très bien pour la dextérité, à condition de le faire dans toutes les tonalités, parce que le Hanon est fait sur Do majeur en général, hein, d'accord ? Ben justement, dans le Hanon, il y a effectivement le travail des passages de pouce, hein, et puis il y a d'autres exercices qui concernent, par exemple, les tierces successives. Par exemple, je fais 1-3 sur Do mi. Après, je passe ici sur Ré, Fa, Mi, Sol, simultané cette fois-ci. Hop, 2. Et puis. Par exemple. Hein. Voilà, donc ici, j'ai joué des tierces successives. C'est très utile, les tierces successives, mais il y a aussi les sixtes par voie successive. Par exemple, de Do à La, hein, une sixte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, une sixte, on va partir de Do La, et puis faire Ré, Si, Mi, Do. Ça, c'est plus difficile, parce qu'au niveau des doigtés, si je veux lier, il va falloir passer des doigtés. Voilà. Donc un exercice un petit peu plus difficile, d'un niveau un petit peu plus avancé, d'accord ? Bon, si vous le faites déjà à deux mains et à deux octaves, ça sera déjà pas mal. Mais le transposer aussi, n'oubliez jamais de transposer dans toutes les tonalités. Voyez, tout ça, ça fait quand même une somme d'exercices qu'on ne peut pas faire d'un coup, évidemment, il faut le faire progressivement. Mais l'important, ce n'est pas d'en faire en quantité, l'important, c'est évidemment de les faire tous les jours, quotidiennement. C'est-à-dire, si vous avez un morceau à jouer, par exemple, au lieu de jouer directement le morceau, faites 10 minutes, un quart d'heure d'exercice, de chauffe comme ça, qui va vous donner une technique, hein, pianistique. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à un morceau, par exemple, et puis le jouer dans une meilleure condition, puisque vous serez chaud au niveau des mains, des doigts, et que vous aurez travaillé un petit peu la puissance. Alors, juste pour encore préciser certaines choses, lorsque vous jouez, hein, la position, hein, on l'avait déjà vu, cette position, le poignet est horizontal ici, hein, et les doigts sont légèrement arrondis, parce qu'on joue toujours avec le bout des doigts ici, hein, jamais sur les ongles, jamais sur les phalanges, le bout des doigts uniquement, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une certaine dextérité, hein, d'accord ? Et en ayant le bout des doigts, alors autant le poignet, les épaules, le bras, tout ça doit être décontracté, d'accord ? C'est-à-dire le poignet jamais bloqué. Autant les doigts, eux, doivent être rigides, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas évidemment se plier à chaque fois comme ça qu'on appuie, hein, d'accord ? Donc ils doivent être quand même rigides, ils doivent être solides si vous voulez avoir une sonorité sur le clavier, hein, d'accord ? Alors, les doigts doivent être rigides, tout le reste peut être décontracté, et il vaut mieux d'ailleurs, parce que si vous êtes contracté, ça influe directement sur le toucher, donc sur la sonorité, d'accord ?
On le répète, hein, mais quand vous jouez même sur des exercices, entraînez-vous donc à faire à avoir une belle sonorité. Hein. Toujours une belle sonorité, même si ce sont que des exercices, parce que c'est là que vous allez prendre l'habitude de toucher donc votre piano avec une très très belle sonorité. Donc je peux faire ça. Bon, ça ne sert à rien parce que là, il n'y a pas de musicalité. Mais je peux l'avoir avec un beau lié, par exemple. Comme si c'était une mélodie. Avec un ralenti, par exemple, comme ça. Moi, ça, c'est très, très important. Parce que là, vous allez prendre l'habitude tout de suite d'avoir un beau toucher, même sur des exercices. Et des exercices qui sont faits avec un toucher un petit peu dur ou mal fait, et effectivement, ça va vous donner de mauvaises habitudes. Et lorsque vous arriverez sur des morceaux, vous aurez pris ces mauvaises habitudes-là. Donc, même sur les exercices, ayez toujours un beau toucher, une belle sonorité. Il faut avoir l'amour, hein, de la belle sonorité. Donc, vous pouvez même le faire très, très lentement, mais avoir toujours le souci. Voilà, d'une belle sonorité avec des notes égales, etc. En tout cas au niveau intensité, d'accord. Alors voilà, donc je vous recommande déjà toutes ces gammes, toutes ces arpèges, donc dans toutes les tonalités, bien sûr, aux deux mains et à différentes vitesses et sur plusieurs octaves, évidemment, avec le travail toujours au métronome en ce qui concerne donc les exercices uniquement, hein, le métronome. Ensuite, pour les morceaux, vous n'avez pas besoin de métronome. Les morceaux doivent être expressifs, ils doivent respirer, hein, les mélodies, les accords, tout ça, ça doit respirer. Ça ne suit pas un métronome, ça ne suit pas quelque chose de complètement, je veux dire, rigide et mécanique. Hein. Voilà, donc c'est déjà des premiers exercices qui vont vous occuper, il me semble, pas mal de temps. Ouais, il me semble. Hein. Si vous les faites chaque jour, comme je vous l'ai dit, avec cette régularité et tout, ça occupe énormément. Mais voilà, la vitesse n'est pas un critère. Il faut même travailler très lentement pour faire bien attention à chaque poids, chaque poids que vous mettez sur chaque note, etc. Pour que ça soit régulier, pour que la sonorité, on vient de le dire, donc soit assez agréable à entendre. D'accord ? C'est une très bonne, un bon pli à prendre, je pense, pour la suite. Et ensuite pour attaquer évidemment des morceaux. Donc regardez ce tuto que j'ai intitulé donc travailler efficacement le piano en 30 minutes par jour. Je conseille trois choses. D'abord commencer par ces exercices là de gamme, d'arpèges, etc. Ensuite prendre des exercices un peu plus musicaux du type Czerny. Je sais que Czerny est aussi très rejeté, très décrié, mais bon, peu importe. Tout ce qui va vous faire travailler sera bon si vous le faites bien, hein, d'accord. Et puis, dans une troisième partie, attaquer un morceau de votre niveau, évidemment, et puis appliquer ça, appliquer cette dextérité que vous venez donc de travailler. Et vous venez donc en plus de chauffer, hein, d'accord, et de travailler donc une technique particulière, comme les tierces, par exemple, les tierces parallèles, etc. Hein, d'accord. Donc voilà, tout est important, Sylvain, bien entendu, puisque en musique, tout est lié. Tout est lié. Il ne s'agit pas que juste d'appuyer sur des touches. Il faut aussi englober toute la musicalité, hein, qu'il y a autour, c'est-à-dire en dehors des rythmes et des notes, et ben, il y a beaucoup de musicalité, on l'a vu, le phrasé, tout ça, la façon de toucher, de grouper des notes, etc., de lier, de détacher, etc., avec des nuances plus ou moins fortes, etc. Voilà, tout ça, c'est la musique. Et ça va vous permettre effectivement d'exprimer un petit peu plus de musicalité et d'interprétation personnelle. Hein. Hélène, oui, je vais répondre à tes questions. Alors voilà, vous trouverez d'ailleurs sur le shop.musicclassroom donc un pack d'exercices comme ça qui va vous faire travailler toutes les gammes, les arpèges, donc les déclinaisons, les passages de pouces, etc. Pour travailler, pour progresser dans ces dextérités. Ce sont des PDF et vous pouvez travailler avec ça. Il y en a pas mal et vous serez occupé déjà pendant un moment avec tout ça. Hein. Voilà, donc je vais passer aux questions, en tout cas sur ce sujet-là, sur le sujet des exercices au piano, qu'ils soient d'ailleurs débutants ou pas, hein, parce que vous savez, même les professionnels travaillent, hein, leur gamme et arpège, hein, c'est à n'importe quel niveau, que vous soyez débutant ou très avancé, on travaille toujours de toute façon, c'est un entraînement physique, donc mécanique, et ça on ne peut pas l'abandonner, si on saute des journées comme ça, et bien on régresse. Voilà, donc essayez de travailler quotidiennement, hein, ça c'est évidemment la condition essentielle
pour pouvoir progresser dans la technique pianistique, qui est longue hein, parfois, il ne faut pas se le cacher. Hein. Il n'y a pas de trucs et astuces là, hein. C'est simplement, voilà, je travaille quotidiennement pendant des semaines, des mois, des années, et j'arrive donc à un stade, effectivement, de technique avancée. Voilà. Mais ça, c'est un passage obligé, il faut mûrir tout ça, hein, d'accord? Alors, je vais commencer par Maxime, c'est le premier message là que je vois pour les questions. Bonjour Yves, bonjour à tous, j'ai raté le live. Pas de problème Maxime, tu le retrouveras sur sur l'onglet playlist. Hein. Harmonie et piano, salut Alexis, bienvenue, bienvenue ce soir. Il y a longtemps que je ne t'ai vu, hein, au moins la semaine dernière. Oui, c'est bien, ça marche bien parce qu'il y a beaucoup de gens intéressants et je suis très surpris, d'ailleurs, comme je te l'avais dit, d'avoir des gens qui sont intéressés, intéressants, d'accord, et qui désirent apprendre, qui désirent vraiment avancer. Donc, je suis là pour ça et si je peux vous aider, je le ferai autant que je peux. Bob, parle-moi un peu de l'accord de cette... Alors, Bob, on va parler d'abord des questions sur les exercices. Ensuite, dans la dernière partie, tu vas pouvoir me poser toutes les questions qui ne sont plus en rapport avec les exercices, d'accord? Donc, repose-moi la question un peu plus tard quand on aura fini les questions propres aux exercices piano. Et ensuite, je vous laisserai le choix donc, de me demander d'autres questions, de me poser d'autres questions donc plus généralistes. Hein. Parle-moi un peu de l'accord 7 bémol 9, mais je le retiens Bob, mais rappelle-le-moi quand même. Hélène, quel est le nom du pack pour ces exercices de dextérité? C'est pack exercice piano, je crois, hein, il me semble, d'accord? Tu le retrouveras sur le shop, là. Grâce et Fès, bonsoir, je suis nouvelle, tu as coupé ta phrase ici, peut-être que la suite arrivera. Bah, bienvenue en tout cas, Grâce. Bienvenue. Et si tu as loupé tout le début du live, tu le retrouves sur le menu playlist. Hein, dans Music Classroom Live, c'est une playlist consacrée qui regroupe évidemment tous les lives qu'on a fait donc depuis le début jusqu'à ici. C'est des lives d'une heure à peu près. Et tu y retrouveras donc tout, que ce soit les niveaux plus avancés ou débutants, etc. Donc j'attends vos questions en tout cas sur les exercices pour l'instant. Au niveau de la durée de travail chaque jour, moi je me dis que 30 minutes c'est déjà le minimum, mais c'est déjà pas mal. Hein, si vous trouvez le temps, 30 minutes par jour, c'est quand même bien. Ce qu'il faut, c'est travailler efficacement. Faut-il toujours commencer MSM à un tempo de 60? Non, 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 tu peux commencer bien, bien plus en avant, 40 par exemple, c'est plus lent, hein, d'accord. Voilà, là justement, tu vois, ça te permettra de travailler bien la sonorité de chaque doigt, la puissance de chaque doigt sur... en même temps un beau phrasé, etc. Voilà. Et plus on travaille lentement, plus on travaille dans le détail, en profondeur. D'accord? Jay Cass, que faut-il faire pour mieux solfégier? Pour mieux solfé, tu veux dire le solfège? Eh bien, le solfège, il y a deux choses, la lecture de notes et la lecture de rythme. Maxime, Petrucciani préconisait de ne pas trop utiliser la pédale de Sol-Stein. C'est vrai qu'il n'était pas fan de la pédale, puisqu'on peut faire... Mais je suis d'accord. Mais bon, parfois, la musique a besoin de pédale hein, pour enjoliver un morceau, etc. Et surtout pour les résonances, la pédale Sol-Stein, la pédale forte en particulier. Hélène, est-il préalable... Hein, voilà, c'est passé, Hélène. Je suis désolé. Tu vas me la reposer. Hein. Y a-t-il un ordre de passage des tonalités? Non, moi je monte les tonalités par demi-ton comme ça. Mais tu peux aussi faire le cycle des quintes. Do, sol, ré, la, mi, si, par ordre d'altération, hein, l'ordre des dièses. Pavila, bonsoir. Je crois que tu es nouveau ou nouvelle, je ne sais pas. Pour les exercices, faut-il toujours avoir le métronome? Si tu ne sens pas la pulsation intérieurement régulière, parce qu'il faut que si tu sentes cette pulsation à l'intérieur de toi régulièrement, ou au pied par exemple, à ce moment-là, il vaut mieux te baser sur un métronome, hein, c'est plus sûr. Voilà, parce que lui, effectivement, il va être impitoyable au niveau de la régularité. Hein. Thomas, il faut travailler quotidiennement. Comment faire quand on n'a pas envie? Quand on n'a pas envie, on ne travaille pas.
Moi, je crois que la musique, l'instrument, tout ça, c'est avant tout une passion. Hein. Si... Alors, j'en ai fait mon métier, mais c'est quand même une passion, ça reste une passion. C'est-à-dire qu'on ne compte pas ses heures, on ne compte pas ses journées de travail. On fait ça pour progresser, pour avancer et pour prendre du plaisir, bien sûr. Donc, Thomas, quand on n'a pas envie, il ne faut pas le faire. Je ne veux pas te répondre autre chose. Mais voilà, je pense que tous les gens qui sont là ont envie de faire de la musique. Et bien sûr qu'il n'y a pas que le plaisir, il faut dire que tous les exercices, c'est pas que du plaisir, c'est aussi parfois travailler dur, mais pour atteindre le plaisir ensuite. Voilà, donc c'est très clair, hein. Moi je le vois clairement dans mon esprit en tout cas, c'est que on travaille dur, mais c'est pas pour le plaisir de souffrir, hein. C'est le plaisir simplement d'atteindre effectivement un certain niveau et de pouvoir jouer ou d'improviser dans le jazz, tout ça, à un bon niveau par exemple. Hélène, est-il préférable de travailler une même gamme durant une semaine ou plus ou bien changer tous les jours? Non, tu peux changer, hein. Mais dans une même séance, Hélène, tu peux travailler plusieurs tonalités, hein, déjà. T'es pas obligé de rester en do, hein, sur une séance. Donc tu peux travailler 10 minutes sur 5, 6 tonalités comme ça, au hasard même, hein. On n'est pas obligé de suivre la gamme chromatique. Hein. MSM, j'ai pris de mauvaises habitudes au niveau des doigtés et comment les corriger? Ben, c'est retravailler lentement. Ça, c'est courant, MSM. Hein. Je vois même par mes élèves qui ont souvent travaillé pendant des années seuls et qui ont pris d'énormes défauts, très difficiles ensuite disons, à rattraper. Hein. Mais il faut retravailler lentement, très très lentement. Toujours dans la lenteur, le travail. Toujours dans la lenteur. Et c'est comme ça que vous apprenez les choses. Lorsque vous avez compris les mécanismes dans la lenteur, vous pouvez aller ensuite beaucoup plus vite, mais pas avant. Mathis, bonsoir Yves, désolé pour le retard. Ben, je t'en prie Mathis, tu retrouveras le live sur la chaîne puisqu'il va être enregistré à partir de demain, je crois. Poulkapi, je suis en train d'apprendre des standards de jazz pour un examen en septembre. Si l'un d'entre eux, j'ai relevé un bon solo à la main droite, puis j'ai appris les voicings pour la main gauche. Il me reste quoi? Ben, le jouer peut-être avec un bon feeling, un très très bon feeling si c'est du swing par exemple. Hein, d'accord? Ok, Poulka, si, je pense que si tu as effectivement déjà un bon solo, et voilà, tu l'as appris par cœur, je suppose, non, pour l'examen. Mais voilà, et des voicings à la main gauche, voilà, disons d'enchaîner tout ça souplement et de pouvoir sur plusieurs choristes comme ça enchaîner sans interruption, c'est déjà pas mal. Et avec un bon feeling, c'est-à-dire avec un bon swing si c'est du swing, hein, bien entendu. Thomas, dans le cas des notes harmoniques, exemple des C dièse et des bémols, pourquoi deux appellations? Eh bien, deux appellations parce qu'on ne peut pas faire autrement. Do dièse, Ré bémol, c'est la même note, mais de noms différents. Mais en harmonie, Thomas, ça a deux significations différentes. Par exemple, au niveau des résolutions de notes, si j'ai un accord Do dièse mi sol, c'est-à-dire diminué, tu vois, Do dièse mi sol. Ici, ben, le Do dièse aura tendance à se résoudre sur le Ré. Mais si c'est un Ré bémol, Fa, La bémol, à ce moment-là, le Ré bémol aura tendance en harmonie, hein, je dis bien en harmonie, à descendre ici sur le Do, c'est-à-dire une résolution en descendant. Tu vois, donc ça n'a pas les mêmes significations au niveau harmonique. Mais sinon, au niveau de la note, ben, c'est la même sonorité. Au piano, attention, hein, au piano, parce que si vous prenez un violon qui n'a pas de frette, hein, et ben Do dièse sera toujours un coma peut-être plus haut. Un coma, c'est la division d'un ton en 9 parties. Hein. On ne les entend pas, évidemment, on n'arrive pas à la distinguer au niveau de l'oreille. Mais un Do dièse au violon est un coma plus haut qu'un Ré bémol qui est un peu plus bas. Voilà. L'oreille, encore une fois, ne fait pas la différence, mais enfin, ça existe. Alors, c'est important dans les musiques extra-occidentales, les musiques en Inde, par exemple, hein, toutes ces musiques qui utilisent les quarts de ton et tout ça. Donc, c'est plus sensible, évidemment. Grâce, existe-t-il des exercices physiques pour les doigts avant d'aborder le clavier? On peut très bien le faire. Alors, si tu n'as pas de clavier, évidemment, tu peux le faire sur une table. Une table bien horizontale, comme ça, tu peux t'entraîner effectivement une table. Mais bon, fais-les au clavier. Hein. Après tout, on fait de la musique. Poulka, c'est du swing, en effet, je connais tout par cœur, comme suis-je. C'est quel le standard, Poulka? Accompagné d'autres solos, du coup. Et aussi, cela vaut-il hein, si j'ai déjà le solo Donc, oui, c'est quel le standard sans indiscrétion, tu pourrais me dire peut-être.
Voilà, alors j'ai pas lu tout ton message parce que c'est coupé, mais tu vas me le reposer. Maxime Pra, est-ce qu'on travaille si passe beaucoup de temps à improviser sur son piano, si l'on s'efforce de faire des choses qu'on ne connaît pas et d'explorer son clavier? Ben Maxime, je ne peux pas te dire mieux parce que quand j'étais petit, là, à l'âge de 7-8 ans, ben, ma prof, qui était très classique, hein, me donnait donc des exercices et à faire au piano et des exercices de théorie musicale, etc., etc. Mais moi, j'aimais passer mon temps effectivement à improviser. Et je faisais peut-être une heure d'improvisation et peut-être 10 minutes d'exercice qu'on me demandait de faire. Voilà. Donc je ne peux pas te dire mieux. Effectivement, on se fait plaisir aussi, hein, Maxime. Donc on a envie de jouer, bien sûr. Mais bon, si on veut atteindre, vraiment, ça dépend du but et des ambitions. Si on veut atteindre un bon niveau, oui, tu es obligé de passer par les exercices et de les travailler. Tu sais, tous les grands pianistes, hein, qu'ils soient de jazz ou classique, peu importe. Bah, ils ont travaillé ça 4, 5 heures, 6 heures par jour pendant 20 ans. Donc voilà, il n'y a pas de secret, en tout cas, dans la pratique d'un instrument. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'astuce. Il y a uniquement un travail, deux travail et trois travail. Azer, quels sont les accords fondamentaux un pianiste peut trouver facilement grâce à la tonalité pour accompagner? Bah, tu sais, dans les tonalités, il y a des accords forts, Azer. Si tu es en do majeur, c'est le premier, do mi sol, le quatrième, fa la do, le cinquième, sol si ré. Après, il vient d'autres accords, l'accord du deuxième degré sur le ré fa la, ici, tu vois, du quatrième, on l'a vu, et du sixième, ici. D'accord? Quant au septième sur le si, ici en do majeur, bah c'est le même à peu près que le sol ici, tu vois, tu remarques. Donc c'est la même fonction de dominante. Dominante, c'est le cinquième. Et si tu enlèves ici le sol en bas, bah on trouve le septième degré qui a la même fonction que le 1. Voilà les fonctions principales, hein. Bonsoir, comment débuter au piano quand on est débutant? Alors là, c'est un sujet très très vaste, mais j'ai fait plein de tutos, Élie. Tu pourras les trouver, hein, piano débutant, tu vas voir, il y a beaucoup de tutoriels qui vont te donner des méthodes comme ça de travail, de débuter. J'en fais un d'ailleurs très très débutant là, hein, comme si vous n'aviez jamais touché un clavier de votre vie, donc voilà, comment se mettre au piano. Hélène, c'est très très gentil, merci beaucoup pour ces lives, ben, merci de ta présence, merci de ta gentillesse, et merci pour ce don qui me touche vraiment. Le geste compte pour moi et c'est très important. Merci en tout cas de ta présence aussi. Poulka, c'est All God Children Got Rhythm. Oui, d'accord. Je ne connais pas bien d'ailleurs ce standard, mais je le connais certainement à l'oreille. Le titre ne me dit pas grand-chose. La question était, dois-je apprendre à improviser sur la grille alors que j'ai déjà relevé mon solo? Ça dépend si tu veux vraiment jouer ton solo par cœur. À ce moment-là, tu fixes un solo et tu le rejoues dans le but, hein, dans le cadre de ton examen. Puis je ne prendrai pas de risque. C'est ce que je dis, oui, effectivement. Tu ne prends pas de risque à l'examen. Voilà. Mais normalement, donc, un jazzman, en dehors de cet examen, hein, bien sûr, Poulka, normalement, un jazzman doit être capable de livrer un solo original à chaque fois, donc qui joue même sur un même titre. D'accord? Je te conseille à ce sujet de prendre par exemple Autumn Leaves, qui est un standard mondial, et de l'écouter par plusieurs très grands pianistes sur YouTube, par exemple. Et tu vas voir que chacun en fait ce qu'il a envie, se l'approprier et faire un solo unique à chaque fois, puisque le solo, l'improvisation, c'est vraiment une composition donc spontanée, hein, c'est une composition de l'instant. Mais bon, dans le cadre de ton examen, tu peux effectivement l'apprendre par cœur pour ne pas prendre de risques, comme tu dis. Maxime, est-ce que tu peux jouer le standard que tu veux ou une impro? Oui, généralement, je mets la partition, hein, je mets la partition, sauf celle que si j'en connais par cœur, mais bon, je mets la partition et à vue, tu sais, un standard, c'est très simple, Maxime, il y a une mélodie et puis une grille d'accords. Lorsqu'on est habitué à, voilà, c'est comme si je l'avais par cœur, je le déchiffre à vue comme ça et en principe, il n'y a pas de problème, même au niveau de l'improvisation, hein, puisque l'impro est basée évidemment sur le thème. Mais elle est basée aussi sur la grille d'accords. Donc voilà, par l'habitude, évidemment, par le métier, par les années, on finit par lire couramment n'importe quel standard. Hélène, y a-t-il des exercices efficaces pour travailler les accords, les trouver et les placer rapidement? Oui, Hélène, tu vas trouver ça sur les tutos que j'ai mis, la plupart des tutos, hein, que j'ai mis sur la chaîne.
Il y a effectivement le travail sur les accords à trois sons, les triades, Hélène. Ensuite, tu vas avoir les septièmes. Ensuite, les accords enrichis, les positions d'accords, les renversements d'accords, etc., etc. Harmonie et piano. Yo, Maxime, t'as raté aussi mon live de midi. D'accord, ça, c'est entre vous. Alors, Maxime Prat, je suppose. Hein. C'est un fidèle des lives. Christelle Michel, bonsoir à nouveau. Quels exercices pour travailler les renversements? Très simple, tu prends du 3 ici, 3 sons, do, mi, sol, et tu renverses comme ça. Sur les renversements, do, mi, sol, do, sol, do, mi, sol, sol, do, mi, sol, do, et do, mi, sol. Voilà. Après, à 4 sons, do, mi, sol, si, par exemple, accord de majeur 7, et puis tu renverses sur mi, sol, si, do, mi, sol, et do, mi, sol, si. D'accord, je rappelle simplement que sous forme de tierce ici. Oui, Bob, excuse-moi, je ne vois pas toutes les questions passer et je dois répondre aussi à certaines questions. Mais repose-la-moi, je serai là. Hein, j'essaierai d'y faire gaffe cette fois-ci. Alors, donc voilà, hein, donc à plusieurs vitesses, etc. Puis après, tu transposes. Hein, voilà. Ré bémol majeur. Et puis pareil, je vais renverser les accords de plus en plus vite, comme ça. Hein. Pour maîtriser tous tes renversements. Arnaud, y a-t-il une manière de travailler les grace notes du blues et les accords arpégés très vite sur une octave? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, bien sûr, les petites notes comme ça. Voilà les arpèges. Ouais. Bien sûr, il y a une manière de travailler en travaillant les gammes et les arpèges. Hein, ce dont on parle aujourd'hui, hein, d'ailleurs dans le cours juste avant, c'est travailler tes gammes et tes arpèges. Les gammes et les modes, puisque là, il y a des modes d'improvisation en jazz en plus. Hein, d'accord. Maxime, pardon, je voulais te demander si tu pouvais nous jouer un petit... alors, j'ai loupé encore. Tu l'es fait le midi maintenant, oui. Gâteau au fromage, c'est ça ? Ton conseil pour apprendre à jouer très rapidement. Travailler lentement. Voilà, ça peut paraître idiot, mais voilà. Pour jouer rapidement, il faut d'abord travailler lentement. Et progressivement, bien sûr, monter le tempo au fur et à mesure avec toujours une bonne qualité de son et une régularité. Hein, gâteau au fromage. Ça me donne faim, ça. Poulka, à quoi penses-tu pendant que tu improvises? Jouer les modes, l'accord. Eh bien, pendant que j'improvise, je vide l'esprit, c'est-à-dire je me concentre sur ce que je fais. Voilà. Donc, tout ce qui est autour n'existe plus. Voilà. Quand on improvise et qu'on se met donc au piano, ou même qu'on joue une pièce de piano, tu rentres dans un autre univers. Donc, cet univers doit être coupé de l'extérieur. Tu dois être concentré sur ce que tu fais dans la musique et dans la musicalité. Poulka, voilà, ça c'est la question, excuse-moi. Quadio, bonsoir. Yves, salut, comment travailler efficacement les doigts? Comment travailler les doigts? Voilà, en faisant ces exercices. Hein. Voilà, les exercices qu'on vient de dire, Quadio, hein, au début du cours, là, du live. En faisant tes gammes, tes arpèges, tes passages de pouces, les travails en tierces, travail en octave aussi, on n'en a pas parlé, avec un poignet très souple comme ça, tu vois. Travail en octave également, ça fait partie des techniques Anon, ça. Arnaud, je t'en prie. Sylvain, 30 minutes par jour, combien d'années pour être à l'aise? 2, 3, 4... Alors Sylvain, ça dépend complètement donc de la personne, hein. Il y en a qui apprennent beaucoup plus vite, qui intègrent vite, qui travaillent plus, qui ont plus de temps, etc. Donc, ça dépend de la personne. Par exemple, j'ai des élèves ici, mais je leur livre le même enseignement, d'accord? Mais certains apprendront plus vite. Bon, ça, on n'y peut rien. On n'est pas tous égaux sur ce plan-là, hein, d'accord? Donc, ça dépend de la personne, voilà. Mais en général, pour moi, la musique classique, c'est 10 ans, le jazz, 5 ans, si tu suis une bonne méthode. Maxime, tu peux nous jouer un standard? Alors, je n'ai pas prévu de standard ici, Maxime, mais peut-être qu'un jour, je mettrai peut-être une partition à l'écran et je vous jouerai un standard. Ben, on va en profiter peut-être pour l'été, là, puisque en juillet, je vous le rappelle, je vais donc travailler... je vais continuer les lives, mais on va faire des sujets généralistes. Alors, peut-être que ça sera le moment de jouer des standards, jouer un peu plus que donner un cours, par exemple. Au mois d'août, on fera certainement une pause, hein, puisqu'on va bientôt arrêter là, ce soir.
Et ensuite, donc, au mois de septembre, on reprendra de plus belle avec les cours. Hein, voilà. Donc, je serai là en juillet, mais on aura peut-être des sujets plus libres de discussion. Hein. Je n'imposerai pas un sujet comme je l'ai fait jusqu'ici. Thomas, comment jouer devant un public avec un... Ah, justement, Thomas, j'ai fait un sujet, j'ai fait un tuto sur le trac. Il est un peu plus long d'ailleurs, plus conséquent, mais pas comment éliminer le trac, parce que tu sais que même les plus grands ont le trac, mais comment le gérer et surtout comment le transformer en quelque chose de positif et non pas de destructeur et négatif. Abel, dis-moi Yves, dans quel cas on peut dire do dièse, dans quel cas on peut dire ré bémol? Ça dépend du contexte, ça dépend de la tonalité du morceau. Et ça dépend de la modulation, s'il y a modulation, Abel. On ne peut pas le dire comme ça dans l'absolu. D'accord? Yves, merci, je t'en prie aussi. Je vais vous dire bonsoir. Chantal, bonsoir. Est-ce que vous préférez donner des morceaux simplifiés ou pas? Si je préfère donner des morceaux simplifiés, ça dépend à qui, bien sûr. Si j'ai affaire à un débutant ou à quelqu'un déjà de chevronné. Hein. Voilà, Plim, salut, bienvenue. Je t'ai pas vu passer, Plim, mais peut-être que tu arrives à la fin. Donc, dans ce cas, tu retrouveras le tuto dès demain, je pense, sur la chaîne. Voilà, je vous remercie tous d'avoir participé à ce live. Je vous retrouverai la semaine prochaine, normalement, mardi 19h, d'accord? Je pense que le sujet, puisque nous serons en juillet, on va se donner un peu de vacances, le sujet sera généraliste. Vous pourrez me poser des questions généralistes, celles dont vous avez envie de poser, et j'y répondrai. Donc, on fera quelque chose de peut-être de plus musical, plus animé. Hein. David, dommage, j'ai raté le live. Tu le retrouves, David, dès demain dans le menu playlist. Hein. Hélène, pas un jour sans piano depuis 9 mois. Quel bonheur, ces lives. Ben, je t'en prie, Hélène, je te retrouverai sur la chaîne et dans les commentaires en particulier. N'hésitez pas à commenter. Laissez-moi un petit pouce si vous avez aimé ce live et si vous aimez la chaîne, partagez-la. Bien sûr, ça nous permettra de continuer cette aventure avec vous. Et je dois vous remercier aussi d'être tous là parce que je vous trouve assez concentré, assez sérieux, etc. Et donc, ça m'aide, moi, évidemment, à avancer, à me donner envie, évidemment, de continuer tous ces lives. Donc, c'est très, très bien. Jikaz, merci. À très, très bientôt. Archille, pardon, merci et bonne soirée à toi aussi. All That Jazz, j'allais dire All That Jazz, qui est un film célèbre. Merci, je t'en prie. Arnaud, merci beaucoup également. À très très bientôt. Donc, passez une belle semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine, mardi 19h. J'annoncerai donc le live, mais qui sera probablement pour tous les sujets. Donc, vous pourrez librement me poser toutes les questions que vous voulez, quel que soit le sujet. Hein, d'accord? Je vous dis à très très bientôt. Faites attention à vous. À mardi. Au revoir.